Bonsoir, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dimanche n'était pas très appréciable avec beaucoup de nuages, de la pluie notamment entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes où il est souvent tombé autour de 15 à 20 mm depuis ce matin. Pour demain matin, c'est reparti pour les nuages avec de la grisaille sur une grande partie du territoire. Quelques gouttes pourront tomber de temps à autre, en particulier du Pas-de-Calais jusqu'à l'Auvergne et près des frontières de l'Est. Même chose pour la pointe bretonne. Et puis à l'inverse, les régions méditerranéennes vont tirer leur épingle du jeu avec un temps ensoleillé, mais beaucoup de vent à Mistral et Tramontane près du golfe du Lion. L'après-midi, toujours un franc soleil près de la Méditerranée, mais toujours Mistral et Tramontane qui souffleront fortement. Partout ailleurs, c'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire un ciel majoritairement nuageux. Par moments, quelques trouées ensoleillées tout de même, et puis un risque d'averse qui sera présent, notamment de la baie de Somme jusqu'au massif central, ainsi que sur la pointe de la Bretagne. Les températures de votre lundi matin, comprises entre 10 degrés seulement pour Limoges et 16 degrés pour la Côte d'Azur, et puis l'après-midi, elle reste un petit moré pour la saison. C'est un peu juste, 17 degrés pas plus pour Épinal, jusqu'à 26 quand même pour Marseille. Entre les deux, comptez sur 19 à Paris, 20 degrés pour Lyon, 22 à Toulouse et 25 pour Ajaccio. Votre mardi sera à nouveau assez nuageux, en particulier entre la baie de la Somme et le massif central, avec quelques averses de temps à autre. Ailleurs, un ciel alternant entre passages nuageux et belles éclaircies, temps toujours ensoleillé mais venté près du golfe du Lion, et les températures seront à peine de saison, une vingtaine de degrés souvent l'après-midi, 23 quand même pour Bordeaux et jusqu'à 25 à 26 en Méditerranée. Pour mercredi, le temps va s'assécher quasiment partout, sauf entre les Alpes et la Corse, avec un risque d'averse localement ponctué de quelques coups de tonnerre. Les éclaircies les plus franches concerneront le sud-ouest du territoire et les températures seront orientées à la hausse, 22 pour Paris ou encore pour Rennes, 24 à Limoges, 25 à Bordeaux et 26 à Perpignan. Pour la suite, avec jeudi et vendredi, passages nuageux et éclaircies vont continuer d'alterner sur la plupart de nos régions. Les nuages les plus nombreux vont circuler des côtes de la Manche jusqu'aux frontières allemandes, accompagnés d'un petit risque d'averse, température correcte pour la saison, 20 à 21 en moyenne au nord, 24 pour le sud, et puis le week-end prochain s'annonce a priori plutôt appréciable avec de belles éclaircies sur la majeure partie du territoire. Les nuages pourraient tout de même se montrer plus nombreux, notamment dans le nord-ouest, avec un risque d'averse, température appréciable pour la saison, du moins l'après-midi, une moyenne de 22 pour le nord et de 25 à 26 dans le sud. Demain, nous serons le lundi 19 septembre, nous fêtons les Émilie et nous perdons 4 minutes de soleil, c'est encore les grandes marées, et coefficient de 108 et 211. Bonne soirée à tous et à demain.